Salut à tous, ici Raphaël Gigante, coach thérapeute pratiquant méditation pleine conscience. Aujourd'hui, je profite un peu de l'extérieur et du soleil, malgré le vent et le froid. C'est toujours important de s'extérioriser. Et donc, voilà, je voulais vous parler aujourd'hui d'atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ses objectifs ? Bon, dans tous les trucs de développement personnel, vous avez les 10 raisons, les 5 trucs, les 3 machins. Bah déjà, si on commence simplement, c'est déjà se fixer un objectif. Qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre déjà, et pourquoi on a envie de le faire? Ça, c'est déjà les deux premières choses. Très simplement, sans aller dans les détails, c'est déjà, voilà moi ce que j'ai vraiment envie de faire. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire au fond? Et pourquoi tu as envie de le faire? C'est déjà les deux premières choses. Et après, comment tenir la durée, comment tenir la distance? Eh bien, c'est en se fixant des plages de repos et des plages de travail. Parce que si vous voulez essayer de grimper, je vais prendre l'exemple, si on veut essayer de grimper sur le sommet d'une montagne sans s'arrêter, sans faire des pauses, sans faire des paliers, y a grande chance qu'on n'y arrive jamais, qu'on se décourage et qu'on finisse par redescendre, ou même qu'on se blesse. Et donc pour tenir la distance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme un escalier. En fait, il y a des étapes, il y a des marches. Une marche après l'autre, une étape après l'autre. Et c'est comme ça que, par ailleurs, quand on veut essayer de finalement tenir son objectif, bon, on peut se fixer différentes étapes, comme une feuille de route. Chaque marche peut représenter une étape. Et à ce moment-là, pour arriver en haut de l'escalier, ben, c'est simple, il faut déjà commencer par la première. Et donc, je vous pose cette dernière question. Eh ben, j'ai une vision, je sais pourquoi j'ai cette vision, je sais pourquoi j'ai cet objectif. Ben, c'est quoi la première étape pour aller vers ça? Et donc ça vous permettra de mettre en place des choses simples, pragmatiques, je dirais pratiques, pour commencer à marcher vers votre vision, vers votre rêve, qui sait, vers votre idéal, je ne sais pas. Donc voilà, commencez maintenant et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec le soleil et avec le sourire. Bye.